Pour devenir jeune arbitre, faut tout simplement apprendre un peu les règles du handball. Tout d'abord, il faut commencer par être joueur. Ça, c'est la meilleure des choses. Au moins, tu as les règles un peu dans la tête. Pour devenir jeune arbitre, faut tout simplement apprendre un peu les règles du handball. Tout d'abord, il faut commencer par être joueur. Ça, c'est la meilleure des choses. Au moins, tu as les règles un peu dans la tête, ce qui permet de mieux savoir structurer un match. Pour le devenir, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir une équipe, l'accompagner pour l'arbitrer. Faites un tout de Ouais, suite. voilà. Généralement, ça commence juste par une obligation dans des petits matchs de championnat, et puis ensuite, on a tout de suite envie de continuer. Et puis, on arbitre en club, ou alors on suit notre équipe du lycée ou du collège pour les plus jeunes dans leur championnat. Déjà, bravo du championnat, parce que championnat de France UNSS, bon, c'est déjà super. Évidemment, il y a un classement, donc tant pis pour ceux qui n'ont pas les résultats qu'ils espéraient. Mais bravo à toutes les équipes, et puis continuer de jouer comme ça est super important pour le jeu. Alors moi, la raison, c'est parce que je joue pas mal au handball. C'est vrai que les règles, je les ai quand même bien apprises. Quand j'étais petit, on m'a demandé d'arbitrer un match. Je l'ai fait en mode ouais, ça peut être sympa et tout. Et finalement, j'ai bien apprécié et je me suis dit pourquoi pas se lancer tout d'abord au sein de mon club, et ensuite j'ai été appelé sur une école d'arbitrage pour aller siffler des matchs en dehors de mon club. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. C'est exactement la même histoire. Alors ce tournoi, moi je l'ai très bien vécu. Hein. J'ai déjà eu la chance de participer à un tournoi championnat de France l'année dernière. Qui s'est déroulé à Agde. Ce tournoi-là, il m'a. J'ai pas énormément arbitré, vu que je suis déjà diplômé national. C'était pour moi juste histoire d'accompagner mon équipe et revivre une expérience comme ça. En plus, fatigué, ça commence à taper, parce qu'on se réveille tôt pour Ouais, partir. voilà. On arrive en premier, on part en dernier. Mais oui, je l'ai plutôt bien vécu. Ouais. Sympa. Les équipes sont sympas, l'ambiance est. Ouais, cool. Pitié de l'Académie des Trois-Cordes.